yemwabari mu nzira ya Yesu nimusinzire kuko mumaze gusinzira satani yo batimiza yemwabari mu nzira ya Yesu. Tabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Ndanezerewe cyane. Je suis très content. Kubona nongeye gushika hano. D'être ici. Isenti ya senti. D'être ici à Saint-Hyacinthe. Ibyago byari byaratubujije kubonana. Il y a eu des tentations qui nous ont empêchés de nous. Ariko imyaka Yesu arabikoze. Mais c'est un merci Jésus là. Alléluia. Amen. Amen. C'est une chose merveilleuse. C'est pour cette raison qu'on chante. C'est pour cette raison qu'on est dans la joie. Et il nous est digne d'être heureux lorsque nous serons dans le royaume du ciel. Amen. 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 Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de Dieu. Afin que je puisse vous annoncer ce que Jésus m'a donné. Jésus m'a donné la parole. Il m'a dit, allez annoncer cette parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la parole sur laquelle on va partager, et il y a du témoignage. Ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Amen. Jésus m'a fait du bien. Alors nous allons partager la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans laquelle se trouve le témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que notre Seigneur soit loué. Il y a un plat qui est là. Et le plat des œuvres. Et je vois le plat des œuvres. Il y a ce qui vous est caché. Alléluia. Amen. Mais Dieu va mettre ça en lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Je veux vous dire ceci. Je veux vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Avant de donner le témoignage et aussi d'entrer dans la parole de Dieu, nous allons commencer par la Bible. Ceux qui ont la Bible, on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 24. On va lire du premier verset jusqu'au 8. On ne va pas terminer par là. Nous allons lire Timothée chapitre 4, le premier verset. Matthieu chapitre 24, on va lire du premier verset jusqu'au 8e verset. Matthieu 24, premier verset jusqu'au 8, ça dit ceci. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il suffit que toutes ces choses arrivent. Cependant, ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mu gihe yitegura kuza gusoma Timoteo ya mbere gihimba cha kane ndagira ngo dusome mu kirundi. Yesu arasohoka ava mu rusengero.
akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero arababwira ati nimubona ibyo byose ndababwira ukuri aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari kandi ikimenyetso kizoba iki cyukuza kwawe n'icy umwero w'isi Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza haleluya mukumye wa murongo wa kane gardez le verset 4 Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazozimiza benshi muzokumva intambara n'impuha z'intambara mwirinde ntimuhagarike imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uza utaraza kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami uzotera ubundi bwami amapfa no kunyiganyiga ku isi bizobaho henshi ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa amen amen haleluya amen on va lire Timothée 1 murongo wa mbere premier chapitre gihimba cha kane Timothée ya mbere gihimba cha kane umurongo wa mbere umwe gusa on va lire mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Mu kirundi haravuze ngo ariko mwe avuga abyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ibyizerwa bagashira umutima ku by'impwemu zizimiza no ku by'inyigisho z'abadayimoni amen amen Mana urakoze ndagushimiye kubwira ijambo ryawe ryera kandi no kubera bene data bateraniye hano kugira ngo ijambo ryawe mwami rirungwe mu munyo ndetse riteguwe rivuye mu ijuru ku mana maze rishikire mu mitima iteguye kuryakira ndagushimiye nyakubahwa mu izina ry'umwami n'umukiza wacu amen Mana ihabwe icyubahiro Je vous ai dit que je vais vous donner un témoignage. J'ai beaucoup de témoignages. Le fait de ne pas témoigner, c'est malheur. Le fait de ne pas se rappeler ce que Jésus a fait pour toi, c'est malheur. Et le fait de ne pas connaître le bien que quelqu'un a eu, c'est angoissant. Il y a le chanteur qui a chanté en disant ceci. Vous avez entendu la parole. Amen. 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 Je vais vous donner le témoignage sur ce que Jésus a fait pour moi cette année-ci. Parce que je ne peux pas passer d'ici là. C'est de loin, Jésus m'a guéri l'estomac. Il y avait tant de nourriture que je ne mange pas. Vous savez comment l'estomac fait douloureux. C'était jadis quand j'étais en Afrique.
Beaucoup de nourriture qui nous font vivre, je ne les mange pas. Mais Jésus m'a guéri. Alléluia. Amen. Jésus m'a guéri le diabète. Alléluia. Amen. Et ceux qui connaissent le diabète, vous connaissez c'est quoi? Alléluia. Amen. Amen. Et si le taux de glycémie monte jusqu'à 22, c'est vraiment très élevé. Mais maintenant, Alléluia. Amen. Amen. Même le médecin a manqué quoi dire. Tout est Amen. Son témoignage est au ciel. Ce qui serait à avoir son témoignage, et ça serait mieux de tout parcourir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous témoigner sur ce qui m'est arrivé cette année 2022. Et sur le verset 4, là où nous avons lu surtout de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 4, ça dit ceci. Et faut faire attention pour que personne ne vous égare pas. Alléluia. Amen. Nous souvenons-nous. Mirinde. Prenez garde. Mirinde. Mirinde. Amen. Amen. Nous souvenons-nous. Mirinde. Prenez garde. Nihagire. Nihagire. Ouvazimiza. Ouvazimiza. Pour que personne ne vous égare pas. Et on y a un numéro à Yesu. C'est ça l'objectif de Jésus. Lorsque Jésus a donné l'explication sur tout le chapitre 24, Matthieu 24, moi j'ai été perdu. Alléluia. Amen. Amen. Le fait de dire Alléluia, c'est que Jésus m'a dit réveille-toi parce que je t'ai sauvé. Tu voyais que tu étais perdu. C'était fini pour toi. Alors allez annoncer. Alléluia. Amen. Amen. Alors Jésus m'a amené ici à Saint-Hyacinthe. Et j'ai essayé de faire papier cela. Mais ici à Saint-Hyacinthe, je vais le dire en plein air. Jésus m'a fait revenir quand j'étais perdu. J'ai lu le livre. Moi-même, j'ai commandé le livre sur l'internet. Parce que ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est le livre qui parlait que l'Antichrist est à l'œuvre en plein air. Moi, j'avais la mission que Jésus m'a donnée de prêcher la parole de Dieu chaque jour. Depuis 2018. Jésus m'a recommandé de prêcher la parole de Dieu chaque jour. J'ai vu des personnes alignées. Ils étaient sur le long de la route. Et je distribuais du pain aux personnes qui étaient alignées. Ils m'attendaient pour recevoir son pain.
Lope que vous connaissez. Hanyuma mbona rero ndimo ndabaha rero ndabaca ko ndabaha bose. Bari bategereje. Et je distribuais son pain pour tout le monde. Yesu ambwiye ati rero noneho rero hari abantu bategereje kugomba kuturabwira ubutumwa. Et Jésus me disait, il y a des gens qui attendent que tu prêche la parole de Dieu. J'ai commencé alors à partager le message parmi les gens que je possède sur mon téléphone. Jusqu'en 2020. Hanyuma bamwe muri bo baravuga batahubwo nushinge umugwi w'abantu boshobora kuza barakira ubu butumwa. Parmi Elias qui disait créer le groupe lequel qui va recevoir son message. Nchalero ntandiko narinzi hajya kuri WhatsApp. Je savais pas comment on peut créer le groupe sur WhatsApp. Ntambura gusaba babifasha. J'ai demandé de l'aide pour créer ce groupe. Et on a créé le groupe qu'on appelle Bamaso. On a alors a commencé à partager la parole chaque jour. Et le nom Bamaso signifie être éveillé parce que Jésus va retourner. Muri icyo gihe rero à ce moment-là, mon igitabo kivuga ko antikristo arimo arakora kumugaragara. J'ai vu le livre disant que l'antichrist a déjà commencé à faire son œuvre en plein air. Ni jewe nakikomandi. C'est moi-même qui a commandé ce livre. Kiraza. Et le livre est venu. Mbere haza n'ikindi kigira kabiri. Il y a même le deuxième livre qui est arrivé. Cyane n'umuntu umwe gusa yavuga ibyo. Qui a été écrit par une personne qui parlait cela. Ariko icyo gitabo kivuga ibyuko antikristo arimo arakora kumugaragaro. Mais ce livre qui parle que l'antichrist a déjà commencé à travailler en plein air. Naragisomye. Je l'ai lu. Umusha turashinguka. Et j'ai senti à moi des sentiments. Umutima urahagarara. Et mon cœur s'est réveillé. Zanga. J'ai rencontré. Agakiza kose twari dufise. Que le salut qu'on avait eu. Byose biba zero. Est devenu zéro. J'avais abandonné le salut. J'avais abandonné le salut complètement. Les chansons. Et ces chansons qu'on a chantées, j'ai senti à moi que je ne devrais pas les rechanter. Alléluia. Amen. Et vous allez rire de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Peut-être celui qui n'a pas eu la Bible, c'est bien lui qui ne va pas connaître ça. Mais celui qui a lu la Bible et qui a écouté Jésus, il sera surpris. Et le livre, et le livre entre en profondeur dans ce que tu connais et même dans ce que tu ne connais même pas. Et ça entre en profondeur. Amen. Animalero. Nous pouvons go. C'est pour dire la Bible, cette Bible. Ah nous, c'est handis quoi. Là où il est écrit. Et c'est la Gimana. Le nom de Dieu. No kuvuga gikutegeka ko hageze ugomba guca uhindura. Ugomba guca uhindura izina Imana. Oh ça recommande que là où tu vas rencontrer le nom de Dieu tu dois changer. Ukavuga izina ryanditswe muri ico gitabo. Et tu vas dire le nom inscrit dans le livre. Kubera yuko parce que abanditse Bibiliya parce que ceux qui ont écrit la Bible. Ils ont fait la traduction dans d'autres langues. Ariko kuzina byuhoraho rigomba kuba rivugwa mu rurimi rw'Igiheburayi. Mais que le nom de l'Éternel doit être prononcé en hébreu. Kandi rika prononcer kurya nyene. Et que doit être prononcé en hébreu. Mushaka ndaribuye. Voulez-vous que connaissez-vous que l'Éternel s'appelle Yahweh? C'est quatre lettres, et formé par quatre lettres. Mais
Tu dois prononcer comme il a déjà dit Yahuwa. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, ça commence dès la Genèse. Lorsque tu arrives dans le Nouveau Testament et que tu prononces Dieu, tu commences alors à dire d'autres dieux, tu ne prononces pas le vrai Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, là où est écrit Dieu, tu dois prononcer Yahuwa. Amen. Amen. Ceux qui ont lu la Bible, prenez le temps et vous allez vous serez surpris. Lorsque vous arrivez sur le nom Jésus, et alors ce livre vous recommande de ne pas prononcer le nom Jésus. Lorsque tu prononces son nom Jésus, et ce sont des choses honteuses. On donne la signification de son nom, on a dit renversé. Et donne la définition, la signification de ce qu'ils ont voulu attribuer à son nom. Et ils disent encore que celui qui a eu le nom de Jésus, que c'est de lui qui est né le 25 décembre. Et on l'a célébré. Et lorsqu'il est devenu le roi, on lui a attribué son nom. Alors le nom a la signification que je ne peux pas interpréter ici. Je ne peux pas dire la signification de son nom Jésus. La façon dont on a donné la signification en latin. Et dans l'Apocalypse 13, et la façon dont l'animal, la bête, comme on a fait la bête comme telle, et puis on l'a attribué Jésus. C'est bien la bête parce que Jean-Louis disait cela secrètement. Alors que l'animal, c'est Jésus. Ou la bête, c'est Jésus. Alors il y a des noms que je ne peux même pas prononcer ici parce que c'est honte. Alléluia. Amen. Alors, le livre et d'autres que je ne peux même pas répéter m'a fait retourner. Et cela a eu parce que avant 2021, j'étais correct. Mais dans cette année-ci, il y a eu des changements. Et prier dimanche. Aujourd'hui, on est. Vous ne devrez pas me voir ici. Vous ne devrez pas me voir ici. Le fait que cela était vraiment compliqué, et j'ai commencé à dire aux gens, je leur disais, alléluia, amen. Amen. Je disais à beaucoup de gens, et j'ai trouvé que ce sont des choses vraiment compliquées. Et cela m'a été vraiment difficile. Hanyuma, et puis, et à propos du nom Jésus, on recommande à quelqu'un à dire le nom Messie seulement. Christ, que Jésus, que Christ n'est pas correct. Mais que tu dois prononcer Messie. Hanyuma, Christ, Messie. Et tu dis Messie à la place de Christ. Et au lieu de prononcer Jésus, et tu vas prononcer Yahusha.
Yahusha ni giheburayo. Yahusha c'est en hébreu. Mu gihe yuko Yesu ari kiratini. Alors que Jésus est latin. Abaratini n'abagiriki bavuga uko. Le latin et le grec prononce ainsi. Bon, none rero iryo zina none rikaba rivuga. Alors il faut que tu prononces le nom. Et lorsque je commençais à lire le Nouveau Testament, je devrais lire ou prononcer Yahusha à la place de Jésus. Et je devrais dire Yahusha Messie. Cela s'arrête par là. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai commencé à chercher dans les bibliothèques. Parce que et j'ai du courage et de combattre et de faire une guerre. Muruhande kw'Imana di côté de kugira ngo Imana ndafa inkuru ko rugamba rw'intambara afait que je puisse combattre cette guerre ati bibintu rwose nanje ndabigwanye et moi aussi je devrais combattre contre ces choses hanyuma ariko sina ariko iyo nzira nyene mais le chemin que j'ai pris yabaye inzira yo gutangura kubahoka ça a été le chemin d'avoir d'être délié. Ça a été comme Moïse. Et lorsque que Moïse voulait contempler la forêt prise du feu. Dieu disait de toute façon, c'est fini. Amen. Amen. Et puis, j'ai appelé dans les différentes bibliothèques. J'ai appelé. J'ai demandé le livre, la Bible dans laquelle est inscrit Yahusha Messie. Même en anglais. Ou en français. Ou dans d'autres langues. Mais d'avoir la Bible dans laquelle est inscrit Yahusha Messie. On disait qu'il n'y a pas son livre. Il y a quelqu'un qui a cherché. Afin de trouver la Bible dans laquelle est écrit Messia. Il a trouvé un verset là où est écrit Messie. Mais je lui ai demandé. Moi, je veux la Bible partout est écrit Yahusha Messia. Et puis m'a répondu, cela n'existe pas. Je dis, c'est fini alors. Et j'ai commencé à savoir que son livre. Que c'est la Bible qu'on est en train de lire, moi je ne la trouve pas. Et j'ai commencé à appeler celui qui a écrit la Bible. Et j'ai cherché son numéro de téléphone. Et je lui ai téléphoné. Et j'ai manqué quelqu'un qui va me répondre. Il n'y avait pas de contact qu'il a laissé. Et puis j'ai commencé à savoir que qu'il y a de la perdition là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Et celui qui se trouve au Burundi. Il m'a posé une question. Il m'a dit ceci. Philippe chapitre 5. Philippe. Ça dit, aucun autre nom. On va lire. Philippe chapitre 2. Avec Philippe Kabiri, Philippe D. Nous sommes à Mirongo Mikeya. On va lire certains versets. Aravuga ngo umurongo
On va lire à partir du 8e verset. Écoute. Et écoute comment les livres font perdre les gens. Et je veux vous dire ce qui se cache derrière ces livres. Et je veux vous dire le plan et l'objectif qui se cache derrière ces livres. Et Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous égare. C'est la parole qui est forte. Chapitre 8, on va lire. Ayibyo mu ijoro nayibyo ku isi nayibyo ikuzimu kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro amen kumurongo w'icumi wa cumi na rimwe dusomere mu gifaransa icumi na cumi na rimwe on va lire chapitre 2 verset 11. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent. Amen. Ok, on va lire 10 à 11. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans Amen. Le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Amen. Kugirango, amabio, se, aïto mwijuru, naïto kwisi. Baze bature bemange ko Yesu Kristo aruhoraho kandi ngo indimi zose et que toutes les langues n'ikirundi kirimwo n'igifaransa kirimwo n'icyongereza kirimwo n'igiswahili kirimwo n'ilingala ririmwo indimi zose zo ku isi toutes les langues qui se trouvent ici sur la terre n'icyo gituma bibiliya c'est pour cette raison que la Bible a été écrite dans toutes les langues d'ici sur la terre. Jésus-Christ est dans toutes les langues. Parce que lorsque on le laisse tout simplement en hébreu, les Barundais ne devraient pas connaître ce Jésus. Les Québécois ne devraient pas connaître ce Jésus. Moi j'ai essayé de dire. J'ai essayé de dire. Et les autres ont été. Qu'est-ce que tu disais de dire? Et puis je disais, hey, Yahusha. C'est ainsi. Et puis je me demandais, je disais à moi, mais de toute façon, moi je suis. Moi, je suis le chauffeur de taxi. Amen. Je prêche la parole. Je prêche la parole. Je dis ceci. Et puis, je prêche la parole de Dieu. Yes, quelquefois, tu rencontres avec déjà des hautes personnalités. Est-ce que savez-vous que Jésus va retourner? Et il disait, où as-tu entendu cela? Il y a là où on a dit cela. Vous ne savez pas ça. Il dit rose. Non. C'est comme ça. Je suis heureux.
Lorsque je dis Jésus, Jésus en français, Jésus en français, ils me comprennent très bien. Parce qu'ils ont entendu, ils ont connu son Jésus. Parce que la parole de Dieu dit ceci. La bonne parole du royaume du ciel doit être prêchée partout dans le monde. Afin qu'il soit le signe qui témoigne à toutes les nations. Et la fin du monde Uzochushika. Va arriver. Alléluia. Amen. 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 Si ça se passe ainsi, et je rencontre que je suis perdu grâce à ce livre. Jésus n'est pas prononcé dans une seule langue. Et comme ça, tu la fermes quelque part. Et cela est impossible. Jésus est le roi des rois. Jésus, Jésus alors. J'ai senti à moi la voix qui me dit. Ati none ura chanyi mukundiwe. Est-ce que tu te rappelles qui je suis? Nakuzi kuri Yesu. Je te connais que tu es Jésus. Kuko nibuka ko Yesu yagiye nyereka. Parce que je me rappelle que Jésus m'a montré de les différents moments. Ariko namugereranya n'iri zina rya Yahusha. Mais lorsque je le compare avec le nom Yahusha. Numva byabigiye mu ntege nge kuko abantu bose ntibashobora kubyumva. Ça m'a fait tomber dans la faiblesse parce que tout le monde ne devait pas connaître comprendre ça. Nashira no kubindi byose kiye gitabo cavuze. Et lorsque j'arrive à toute autre chose que le livre a dit, bivuga ngo nukubahiriza isabato. Il dit qu'il faut respecter le jour du sabbat. Abasenga ku munsi w'Imana. Ceux qui prient pour le dimanche. Yuko bagiye kurimbuka. Et ils seront consumés. Ariko tukabona ingene Yesu Kristo. Mais nous voyons comment Jésus-Christ. Yagenda yereka ishengero n'intumwa n'abigishwa. Il se manifestait aux disciples. Kuri uwo munsi. À ce jour même. Iwa munsi wanduye cyangwa umanye. Si c'est le jour qui est maudit. Jésus ne devrait rien faire. Il ne devrait pas se manifester à ses disciples. Il disait que la paix soit en vous. Et le premier jour de cette semaine, le Saint-Esprit est descendu au jour du Pentecôte. C'était le premier jour du septième jour. Alléluia. Amen. Jésus s'est révélé aux disciples. C'était le soir du premier jour du septième jour. Il expliquait que tout ce qui a été dit, c'est bien lui. Ils n'ont rien compris. Et lorsque il a fait amorcer le pied, ils ont compris que c'est bien lui. Jésus est disparu. Alléluia. Amen. Nimuze dusenge Imana. Venez nous prions notre Dieu. Iminsi yose. Tous les jours. Nuko Mungu harimo. Y compris aussi le dimanche. Alléluia. Amen. N'ayandi majambo menshi. Et beaucoup d'autres paroles. Yuko tagomba gusenga Yesu. Que nous ne devons pas prier Jésus. Yuko Yesu ari umuntu nkatwe. Que Jésus est une personne comme nous, comme par nous. Et je dis vraiment ce livre m'a fait se finir pour moi. Ici nous allons lire la parole de Dieu. Afin que toutes les langues prononcent, que soient prononcées que Jésus est l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le nom. Et qu'on a changé qui s'appelait Yahweh. On l'a changé pour dire Yahoua. Et c'est l'Éternel. Et l'Éternel c'est Dieu. None Imana niwe Yahweh. Et aussi Dieu c'est Yahweh. Yesu yongera arasenga. Jésus a prié. Ashimira Imana avuga ngo. Il a remercié en disant. Bampaye kubamenyesha izina ryawe. Tu m'as donné le pouvoir de leur faire connaître ton nom. Ngo kandi nari bamenyesheje bararimenye. Et j'ai fait cela et ils ont connu le nom. Iryo zina ninde. Qui est son nom? Ni Yesu. C'est Jésus. Uhoraho. L'Éternel. Alléluia. Amen. Yesu n'umwami. Jésus est le roi. Lorsque j'ai compris ça, et dans ce moment-là,
Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il me disait lorsque on va arriver là où dans une chanson de livre, dans les livres de cantiques. Là où c'est qu'on va chanter la chanson qui dit. Zina d'Umwami Yesu. Comme le nom de Jésus. C'est de ça qui nous fortifie, qui nous console. Dans les tentations dans lesquelles nous sommes, c'est le nom qui te suit partout là où tu vas. C'est le nom, le bon nom. Tout ce qui croit à son nom sur la terre, c'est le nom, c'est le vrai nom. Qu'il soit prononcé, ma même au roi magicien. Alléluia! Et je dis vraiment, c'est compliqué. C'est ainsi alors. Et j'étais arrivé là où? Et de revenir. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et j'ai dit, Jésus, pardonne-moi. Ah, et mais je veux vous dire. Les mots qui se trouvent dans ce livre. Tu ne peux pas penser à abandonner ou à jeter son livre. C'est comme le livre t'amène de l'intelligence, de la connaissance. Et j'ai commencé à sentir à moi ce que son livre. Chaque fois que je lis la Bible, je faisais la comparaison de la Bible et son livre. Dans d'autres mots, et c'est son livre qui a pris la place. Et c'est son livre qui a pris la place de la Bible. Mais la Bible dit ceci. Celui qui va enlever sur la parole et ce qui est dans la Bible. Dieu va multiplier les problèmes qui se trouvent dans la vie. Et celui qui va enlever. Et aussi Dieu va enlever. Dieu va enlever sur le royaume. Le tout se trouve dans son livre. Amen. 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 Alors à ce moment-là, j'ai senti à moi le fait de repentir. Et j'ai laissé le livre de côté. J'ai commencé à me confesser. Et j'ai dit, je vais abandonner son livre. Mais une certaine nuit, et il m'est arrivé là où je me sens à moi le fait de confesser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je dois promulguer cela à quelqu'un d'autre. Parce que le fait de confesser, c'est de promulguer. Le fait de dire si je vais dire à quelqu'un d'autre, on va se moquer de moi. Ça, c'est une piège. Même quand tu fais cela, le péché ne part pas définitivement. Mais lorsque tu promulgues, et que tu dis cela à quelqu'un d'autre, bien aimé, je vais vous dire des milles. La façon d'être comme ça, nous ne connaissons pas la pouvoir de Jésus. Et je vais vous dire le miracle. Moi-même, quand j'ai promulgué cela, pour vous confesser, je faisais la même erreur pour les autres. Mais quand il est arrivé à moi de dire mes choses à quelqu'un d'autre, je veux vous dire le miracle qui s'est passé. Un jour, c'était pendant la nuit. Et je me suis mis à genoux devant mon lit. J'ai dit à ma femme,
Et puis j'ai dit le nom Yahusha en hébreu, je l'abandonne. Dès lors, je vais prononcer Jésus-Christ. Il n'y avait pas eu de complications. Elle a prié pour moi. Ma femme a prié pour moi. Elle a prié pour moi. Et puis je me suis mis à genoux. Et puis a prié pour moi. J'ai commencé d'abord à prier pour moi-même. Et puis j'ai donné ma requête. Lorsqu'elle a prié pour moi, on a dormi. Et on a passé toute la nuit. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Qui a causé? Qui m'a fait que je dois témoigner cela aujourd'hui? Hallelujah. Amen. L'aube du matin, lorsque je me préparais pour aller au travail, mais avant tout, je dois prier. Et j'ai commencé à prier. Lorsque je me réveille, je me suis réveillé. J'ai fait un clin d'œil. J'ai vu le démon. Lorsque je me préparais pour prier, j'ai vu le démon. Et le démon se trouvait dans le coin. Comme un robot. Qui possède toutes choses, le matériel, les épées, autre chose. Le démon était à la garde comme un militaire qui garde les prisonniers. Paul a dit de crier hier, et il ressemblait peut-être à qui Paul décrivait comme la tenue des militaires. Mais c'était le démon. Ce que je vous parle, ça n'a pas pris du temps. C'était comme un laps de temps. À ce moment-là, j'ai vu le démon. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que le Satan croyait que je suis toujours le criat de son livre. Et lorsque Jésus te fait dire bien, le Satan ne devrait pas connaître ça. Et lorsque tu confesses en premier lieu, le Satan ne connaît pas cela. Il va connaître ça tardivement lorsqu'il va constater autre chose. Le démon m'a regardé quand je me suis réveillé. Il a commencé à courir. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. C'est pas moi qui l'a vu, mais il a vu quelque chose en moi. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus. Jésus est le roi. Je veux vous dire son Jésus. Oui, c'est la façon que j'ai compris que Satan dans la mort. Et pas quelqu'un d'autre qui est capable de vaincre le Satan. Je veux vous dire ce qui s'est passé dans l'enfer. Personne qui d'autre qui peut vaincre le Satan. Mais c'est le Alléluia. C'est bien lui qui a le pouvoir sur les hommes. Mais celui qui pense que Jésus est une personne ordinaire, c'est moi qui la constate. J'ai vu. Lorsque je l'ai vu, ma vie a tombé. Lorsque j'ai commencé à courir, j'ai vu la mer.
Et il sera inversé, c'est la tête qui a commencé, puis les pieds à l'air. Et je dis, les choses sont compliquées. Est-ce que vous savez là où j'ai dit? Alléluia! Amen! Amen. Ça ressemble à un bois de chauffage de l'été. Et c'était dans des laps dont je l'ai constaté. Il a commencé par. Il a tombé dans l'envers, tête en bas, pied à l'air. Et j'ai écrit d'autres démons. Qui criait partout dans la maison. Je ne savais pas où est-ce qu'ils ont passé pour fuir. Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Yes, je vais vous dire la question. Le problème qui se trouvait dans les livres. Ce ne sont pas tout simplement dans les livres. Mais je vais aussi vous dire ce que les enfants de Dieu doivent craindre. Dans la parole de Dieu qu'on a lue. L'Esprit l'a dit en plein air. Que dans les derniers moments. Les démons vont travailler en plein air. Je vais vous dire dans ce moment-ci. Ce sont des démons qui œuvrent. Dans cette période-ci, ce sont des démons qui travaillent. Ils ne tuent pas les gens. Ce n'est pas à dire que ce sont des gens qui coupent les autres. On amène ce qu'on appelle la liberté. Différencier le bien du mal. Et la façon dont le Satan a trompé Adam et Ève. Et le fait de chercher la connaissance. C'est ce qui se trouve dans les écoles. C'est ce qu'on enseigne aux jeunes que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Mais il y a l'évolution à travers les animaux. Où est-ce qu'on tire ça? C'est dans les livres. Les livres que vous connaissez. N'importe quel livre qui n'est pas la Bible a le démon qui est le responsable de son livre. Et le livre que vous connaissez, même si cela parle des choses de Dieu, à part la Bible, la Sainte Bible. Alléluia. Amen. Amen. À part la Sainte Bible seulement. Même si on dit qu'on a entré dans la Bible, on a transformé n'importe comment. C'est la Bible sainte ici sur la terre. Qui n'a pas le démon responsable. Alléluia. Amen. Mais les autres livres. Mais ce serait les serviteurs de Dieu qui ont écrit ces livres. Il y a des démons responsables de ces livres. Mais je veux te dire, il existe les dénominations. Qui enseigne la Bible et en même temps avec d'autres livres. Et d'autres livres qu'on amène dans les églises. Et qu'on amène ces livres à ministre avec la Bible. Et qui recommande aux gens, faites ceci, faites ceci. Alors ces gens ont des démons responsables qui les poussent de faire cela.
Redegarde alors aux autres livres. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire, prenez garde. Et Jésus dit, prenez garde de tout. Et soyez attentifs. Il y a d'autres choses que je vais vous dire qui sont en rapport avec le fait d'être éveillé. Lorsque Jésus m'a délié, et il m'a dit, allez dire aux autres. Parce que toute la terre tremble. Il sillonne dans d'autres choses, dans des choses différentes. Parmi ces choses, je vais essayer de vous dire certains, afin que cela vous aide. Et il y a celui qui, en tant que cela, m'a vaincu. Et il dit, c'est ainsi, mais il y en a d'autres. C'est toi qui cherches le livre. Lorsque tu ne lis pas le livre est là, non, fait rire. Mais c'est toi qui cherches le livre, c'est pas le livre qui te cherche. Mais je vais vous dire d'autres. Peut-être pour toi, tu peux te retrouver là-dedans. Parce que les démons sont nombreux. Je vais dire en commençant par le premier. Prenez garde au loterie. Le fait de jouer loterie. J'ai gagné. Cela aussi le démon qui est responsable de ça. Et quand vous êtes d'accord, je ne vais pas tarder là-dessus. Deuxième chose, ma compagnie. Prenez garde aux compagnies. Atandukanye usanga yakamahera abantu. Les différentes compagnies qui demandent de l'argent aux gens. Ugasanga abantu uri uwamaze kugira abone ari mukinjira muri yo muri yo shirahamwe. Tu t'abonnes immédiatement, tu te trouves dans cette compagnie. Bakakohereza ma business ukagura. On te donne des affaires. Et lorsque tu achètes ça, on dit continue à acheter ceci, puis à la prochaine tu seras riche. Cela aussi a le démon responsable de ça. Le démon responsable de ça, lorsque tu es là-dedans, toute la famille est prise, saisie. Lorsque il n'y a pas de divorce, alors l'objectif de ce démon, lorsqu'il n'y a pas de divorce, c'est que parmi les membres de la famille, il doit y avoir des fous et des folles. Ils commencent à avoir la perturbation dans la vie. Troisièmement, c'est le fait de prendre garde aux musiques mondaines. Les musiques que vous connaissez pour les grands musiciens. Il y a des démons qui sont responsables de ces musiques. Et quatrièmement, ce sont les films. Ceux qui ont joué ces films, ils ont fait cela pour gagner de l'argent. Dans ces Alors, dans ces films, on met des choses, même ceux qui ont fait des choses honteuses, qui se sentent là-dedans. Cela a aussi des démons qui les poussent à faire cela.
binyamukuru b'ibyo bashaka kuzorangura bijanye muri ajya amateatro hano barakina mu minsi bicanye barimo barashika ko nanone il y a un plan à atteindre dans les prochains jours turakomeje continuons kwirinda prendre garde amategeko aux lois ariko arashingwa na antichristo les lois qui sont mises là pour par l'antichrist. Ayo mategeko mashasha nayahe. Ces nouvelles lois, quelles sont ces nouvelles lois? Muri ayo mategeko harimo kwemerera isi n'abayituye ku kunurumogi n'ibindi. C'est le fait d'accepter aux gens qui se trouvent sur la terre de prendre des drogues et autres. Kugira ngo abantu bacike nk'abantu babeho cyangwa batagira ubwenge. Les gens deviennent des fous et des folles. Ni umugambi muremure. C'est un long plan. Ariko Satani arimo arakora ibikorwa cyane. Mais le Satan œuvre dans cette façon. Ni kindi kandi tugeze guca. Kucumunani kuko iki bitabo nakivuze autre chose kwemerera kunwa ibyo gitabi n'inzoga ajya amabare bya byose biri muri umugambi le fait de boire de prendre des drogues aussi qui sont légalisées et la 9e c'est l'avortement et le fait d'avorter c'est le plan du Satan et le fait d'avoir des plannings familiales ça aussi c'est le plan du Satan. Harimo umugabo umwe ya ariwe yikindi yariwe ba bugije neza baramuti ntakibyara iya l'homme à qui on a arrêté complètement la naissance pour lui koko muntu bikiri abadamu gusa ça ne concerne pas tout simplement les femmes unabagabo nabo barabaguza burundu voilà les hommes on arrête complètement à la naissance pour eux uwo ni umugambi wa Satani c'est le plan de Satan. Umugambi wo kuzana amategeko mashasha y'ibidukikije. Le fait d'amener des nouvelles lois pour l'environnement. Ibi biriko biraza kugira ngo biza byinjize isi mu mugambi udasanzwe. Cela aussi va faire entrer la terre dans un plan qui est compliqué. Muzobibona muzosanga ari ibintu bikomeye. Vous allez le voir. Itegeko ryo gusenga rimwe mu cyumweru. La loi de prier une fois dans une semaine. Et kugira ngo abantu bose bagire umunsi w'ikiruhuko. Afin que toutes les personnes ont un jour commun pour la pause. Uwo ni umugambi wa Antikristo. Ça c'est le plan de l'Antichrist. Hari ibindi. Il y en a d'autres. Abana. Les enfants. Kutubaha ababyeyi. La désobéissance aux enfants. Ugasanga umwana ageze mu myaka 18. Lorsque l'enfant va avoir 18 ans. Akifuza gufata inzu yiwe. Il souhaite avoir son propre appartement. Agaca agenda gufata inzu yiwe n'uwo bashaka. Et il va avoir un appartement avec qui il veut. Kandi akumva bifite umwidegembyo. Et il se sent à lui la liberté. Uwo mwidegembyo ni we Satani arimo arakorera ko. C'est cette liberté sur laquelle le Satan tient sûr. Hari n'ibindi biriko biraza. Il y en a d'autres qui viennent. Kugira ngo ibi byita byo korohereza abantu gupfa baboroherejwe cyane muri iri haratinyite. Afin que on peut connaître une mort soulagée. Aya n'amategeko abana b'Imana mugomba kubera amaso ariko araza. Ça c'est la loi que les hommes de Dieu, les personnes de Dieu, vous devez savoir. Kugira ngo mumenye ko umugambi wa Sekibi urimo urakora. Afin que vous sachiez qu'il y a le plan du Satan qui est là. Hari ayandi mategeko kwemerera abantu kwahukana no gusubira kugira mariage. Il y a d'autres lois qui acceptent aux gens de faire un divorce et de se remarier. Uyu mwidegembyo wo kwemererwa kubikora. Cette liberté de le faire. Ni umugambi ugenda ugira umudayimoni abihagarariye. C'est le plan mais qui a le Satan qui est responsable de ça. Hari ubundi burenganzira. Il y a d'autres libertés, d'autres lois. Bokubahujibitsina et de vivre avec les hommes du même sexe kugira ngo nabo bahabwe umwidegembyo wo gutorana afin qu'ils puissent avoir la liberté de se choisir l'un l'autre nabo bagahabwa uburenganzira ku isi ils vont avoir la liberté sur la terre ibyo nabyo bigira umudayimoni abihagarariye cela aussi a le démon responsable de ça
Hanyuma nibi byo kugira ngo abantu babe bajyamane n'imitungo. Eh aussi les Bajyamane n'imitungo abantu bakundana n'imitungo bajyamane n'ibikoko. Le fait d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Mukurangiza no babwira iki cyanye ni no guhatira abantu urucanco. Et aussi je vais terminer par le fait de forcer les gens à avoir des vaccins. Kugira ngo abantu bategekwe kungufu kugira ngo biteze n'imiburi afin que les gens puissent s'injecter des choses à eux. Ça aussi c'est le plan du Satan. Bien aimé. Mon Christ. Le Christ. Ni mumenyo. Sachez cela. Ni mubyandike. Écris cela. Kandi mubizirikane. Et gardez cela. L'Éternel m'a dit une parole forte. Il m'a dit lorsqu'il reviendra. Voire même si ça sera cinq. C'est bien les mêmes personnes. Et c'est bien eux qui vont partir avec. 95%. Et qui auront le démon responsable dans tout ce qu'on a cité. Celui qui est les chances qu'il va avoir. Lorsque tu auras confessé. Et tu as promulgué à quelqu'un d'autre en plein air. C'est ça tout simplement qui va te sauver. Mais il y en a d'autres à qui il sera impossible de confesser. Un garçon qui s'est changé à une fille. Ou vice versa. Ou ceux qui changent leur ADN. Parce que ce que le Seigneur tiendra compte, il va te rencontrer qui tu es toi-même. Si je suis Abel, le Seigneur va t'examiner comme un médecin examine les malades. Il va commencer par la tête. Il va descendre. Il va examiner. Et jusqu'au l'orteil. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Lorsqu'il va te rencontrer, changer tes... Et tu seras erré lorsque tu auras fait cela et abandonné cela. Même le jour que je ne connais pas et que toi aussi tu ne connais pas. Lorsqu'il te sert et te rencontre de cette façon, c'est fini pour toi. Lorsque tu auras double mètre d'autres cheveux, les mèches, sans toutefois à le cheveu que Dieu t'a donné, c'est fini pour toi. Alors que il va rencontrer que tu as mis des tatouages sur toi. Et que cela est toujours sur toi. C'est fini pour toi. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il y a le démon responsable de tout cela. Le démon est enlevé par le fait de confesser. Lorsque tu as confessé en plein air, c'est vrai. Mais lorsqu'il viendra, je ne connais pas le jour ni l'heure, lorsqu'il va te rencontrer dans cette situation, ça c'est fini. C'est fini pour toi. C'est le dernier jour. Et ce que je te dis, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hindura. Change. Hindura. Change. Gezaho. Arrête par là. Alléluia. Amen. Et il y a la puissance de Dieu. Jésus sauve. Et Jésus, c'est un vrai combattant. Il fait un combat sans toutefois faire des gestes. Et toi-même, ce que je te demande, bien-aimé, je te demande de ne pas rencontrer Jésus en colère. Bien-aimé, le Jésus dont on parle, demande-moi. Demande-moi. Il ne faut pas qu'il tombe en colère contre toi. Oh, yeah. Non. Oh, yeah. Non.
Et il faut que tu le rencontres lorsqu'il te donne la bienvenue. Alléluia. Amen. Qui veut recevoir Jésus? Je tends vers la fin. Qui peut s'agenouiller pour recevoir? Jésus m'a dit, allez leur annoncer que je suis prêt à la porte. Je toque. Yes, Raja. Jésus revient. Jésus revient prendre son église. Il revient prendre l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui souhaite recevoir Jésus? Bien-aimé, il est peut-être arrivé que tu es tombé en pleine. Ou que tu as la peur de confesser en pleine. Ou tu as la peur de confesser. Dans toutes choses qu'on a nommées, est-ce qu'il n'y a pas aucune chose pour toi qui te concerne? Alléluia! Amen. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, umwami Yesu ari ku rugi. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi.